Ok, et vous pensez que vous-même, vous êtes un jeune capable de dire même un leader et dans la zone, et il y a un pile d'autres jeunes dans le quartier Bolakayou qui prend pile responsabilité et tout ça. Même temps, vous partagez avec grand public le rôle et l'importance d'un leader communautaire. En fait, leader communautaire, c'est un rôle qui est assez important parce que c'est pratiquement une parmi tout le monde dans la communauté a, qui gagne d'abord une prise de conscience. Parce que avant leader, il faut qu'on soit conscient de qui ça qui gagne là comme problème. Et puis. La société, il y a un petit goûter pour nous parler business. Ou bien business, ou bien un leader business, ou bien une histoire qui t'a motivé à encourager le monde, eh bien, la société, il y a un petit goûter pour nous parler business. Chaque semaine, Mr. T-Store va recevoir un invité pour même dans un petit goûter pour nous parler business. Suivez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter et Instagram dans Yotibité pour nous parler business. Pour plus d'informations, tapez 36 97 62 86. 36 97 62 86. Yotibité pour nous parler business. Bonjour, bonsoir avec tous les amis et messieurs Yon Tibouté pour nous parler business. C'est toujours un plaisir pour que nous capables d'entrer la caille pour que nous capables de présenter l'émission ça. Vous déjà connaissez l'objectif émission ça, c'est encourager les jeunes, encourager ou même qui chita la caille qui pas fait rien. Parce que il y en a même que toujours dit tout jeune. Regardez pour dans le monde là, tout le monde qui gagne corps, tout le monde y a dit monde qui riche, c'est monde qui entreprend un bagaille, c'est entrepreneur. C'est ou même qui l'est ou entreprendre yon bagay. Je dis à nous yon jeune avec nous pour faire un petit bas de bouche avec nous qui est vraiment intéressant. Et je pense que les nous yon jeune ça yon cap faire bagay positif dans la communauté. Je pense que ces jeunes ça yon pour passer devant la caméra. Ces jeunes ça yon pour motiver l'autre jeune pour que nous capables d'entreprendre yon bagay. Parce que nous sommes nous là. Tout le monde qui est comme nous, c'est le monde qui est très prêt. Nous ne parlons pas de monde qui a fait corruption. Non? Tout le monde qui est riche dans le monde, c'est le monde qui entreprend et c'est entrepreneur. Je dis à nous, bonjour avec nous. Nous allons prendre une pause et après la pause, nous allons présenter un invité qui nous est avec nous là aujourd'hui. Nous allons pause, nous allons retourner tout à l'heure. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. Ok, amis, nous retournons après pause là pour que nous capables continuer avec émission que nous gagnons qui passe chaque dimanche après-midi sur channel YouTube. Un petit goûter pour nous parler business et sur toutes les réseaux sociaux. Et je tiens que nous gagnons un jeune entrepreneur avec nous. Et jeune ça, c'est Schneider, Lindsay Ford, c'est un entrepreneur, il est PDG Seco Clean et il est fondateur Impacté. C'est jeune ça que nous avons là avec nous pour faire un petit bas de bouche avec nous sur thème ça qui dit comprendre l'enjeu entre l'entrepreneuriat et le leadership communautaire. C'est jeune ça nous gagne qui pour faire un petit bas de bouche ça avec nous sur thème ça qui est vraiment intéressant et toujours à encourager nous-mêmes jeunes les que nous sommes entrepreneurs faut que nous fassions action dans zone Bolakay nous c'est pas seulement fait comme mettre dans poche nous mais faut que nous capables influencer monde qui dans zone nous à travers ça que nous entreprendre et nous gagner jeunes ça avec nous qui pourra faire petit de bouche ça avec nous parce que qui pourra motiver nous en pile pour que nous capables entreprendre yon bagay. Schneider, dis-nous, comment nous y est, frère Pam? Bonjour, merci pour l'invitation. En fait, moi, c'est Lindsay Ford Schneider. Moi, c'est Nego Cap. Ah. Et je suis sorti l'imbé, mais je grandis, je levé. Bon, actuellement, je ne suis pas trop dans la Cité Soleil, mais c'est là que je grandis, je levé. Et puis, et c'est là moi tout qui méritait de espoirs, tant que de monde qui a poté. Des alternatives concrètes pour aider la communauté au pays. Donc, c'est dans l'optique ça. Moi, j'ai décidé non seulement d'engager dans la communauté, mais décidé d'entreprendre tout. Parce que je me sens convaincu que c'est des approches qui intersectement liées. Ça veut dire une
de prendre de l'autre une marché avec l'autre. Donc merci pour l'invitation. Mais je dis à nous, font pas les business et ben, c'est ça capable d'inspirer l'autre jeune pour comprendre la dynamique qui gagne entre l'engagement dans la communauté mais l'entreprendre tout parce que tous les deux ont des aspects importants. Bon bagaille et amis, émission un petit goûter pour nous parler business, nous avons apprendre et connaître qui est-ce qu'il a avec nous, c'est yo jeune et nous sent, nous entendons qu'il dit nous c'est dans la commune Cité Soleil et le Sénègue et au Cap et je pense que nous avons la bagaille que nous pour apprendre de lui. Dis-nous un bagaille de l'insuffort que tout le monde est capable d'attendre. L'insuffort, c'est un jeune qui est très dynamique, qui... Bon, il y a un petit défaut principe là quand même, ça veut dire... Je dis ce défaut parce que là où il y a un principe, il y a un monde qui est comme défaut. Ouais, c'est vrai. Ou rigide, le monde peut fonctionner avant parce que trop strict. Yeah. Vous comprenez? Donc, je dis ce défaut là quand même. Moi, je fais des choses propres. Je n'ai pas de problème pour me prendre le temps pour le faire. Mais très discipliné. Je fais propre. Bon, la vie a toujours parfois demandé pour améliorer des approches. Je pensais que tu étais plus bon, mais c'est une bagarre que je fais. Moi, c'est Coclean, qui c'est le business qui me crée. Donc, ce business qui continue à charrier d'elle, parce qu'il a fait un peu de succès, elle l'a obtenu. Et avant le business, il a fait succès, que marché concrètement. Moi, c'est un paquet d'étapes. Il franchi, il a bagarre. Donc c'est pour dire que moi j'aime ça crée les principes, discipline et on connaît un engagement concret parce que en tant que citoyen engagement c'est un principe citoyen mais engagement concret moi c'est son force qui a ajouté son engagement donc c'est ça me gagne la caille moi ton jeune qui aime engager dans la communauté moi me fait bénévolat passer dans l'organisation communautaire pour prendre expérience comprendre communauté et puis garder qui met approche ou des solutions nous capable proposer à la communauté avec vous pour commencer by espoir et puis créer l'autre alternative. Yes, et je pense que nous allons apprendre en pile et bagaille là. Et nous avons un thème que nous allons faire un petit bas de bouche là, ce qui dit comprendre l'enjeu entre l'entrepreneuriat et le leadership communautaire. Dans quelques secondes, nous capable dire qui ça que nous allons dire de sujet ça. Bon, nous allons en gros. En fait, le sujet ça va en quelque sorte aborder moi. Ça veut dire c'est un coup moi-même je vais parler par rapport avec le sujet ça, parce que moi pratiquement j'ai deux champs d'activité qui m'intervenir là aussi à la fois business et à la fois communauté. Ça veut dire c'est pratiquement un sujet que moi-même m'a juste fait approche là sur base d'expérience. OK. M'a vraiment fait approche là sur base académique tant pour définition yo est-ce qui vient avec yo qui monde qui réfléchit qui parle de eux, m'a juste fonti parler d'expérience moi qui marié à la fois l'entrepreneuriat et le leadership communautaire. Donc c'est ça nous va parler en gros parce que chaque thème ça a yo gain un paquet idées qui charrier derrière yo à la fois idée et business à la fois idée sociologique à la fois idée communauté tout ça. Donc moi j'ai focalisé sur expérience moi parce que je suis pas spécialiste de ça. Donc c'est des surtout expérience moi avec quelques concepts que je comprends et penser qu'à utile jeune tout parce que faire business pas seulement faire l'argent mais une responsabilité communautaire là-dedans. Donc c'est ça qui permet moi me content invitation et puis penser sujet ça capable meilleur thématique qu'à aborder parce que me pas parler toute bagaille parce que me pas tout ce qui pas connaît penser sujet ça me cap plus dans le bain pour me parler sur lui. Bon bagaille et je pense que sans mieux et grand pile bagaille que nous pour apprendre surtout que moi même toujours encourager jeune yo surtout jeune entrepreneur yo c'est pas seulement faire corps bété dans poche mais entourage ou communauté côté qui va vivre et faire mon ça apprendre des expériences ou façon que pour yo même tout pour que capable entreprendre yo bagaille. Nous aimer que vous partagez avec zanmi yo et mission et avec quelques enjeux entrepreneuriat et leadership communauté. Alors là nous parler des enjeux, bon d'abord faut m'avancer sur question contexte. Là nous parler des questions entrepreneuriat, c'est surtout yon initiative ou bien yon concept qui gagne comme objectif créer richesse et puis créer travail. Ça veut dire c'est proposer quelques solutions avec des problèmes aux communautés confrontées ou bien au monde ou bien un public ciblé à confronter, mais c'est tout
pour lui proposer une solution, mais il a payé pour lui. Ça veut dire qu'il a fait profit dans la solution à proposer. C'est approche ça qui gagne dans la question entrepreneuriat, qui s'est bâti richesse pour solutionner quelques problèmes qui déjà gagné. Mais quel concept tout l'entrepreneuriat qui a des problèmes qui pas gagné réellement, mais on crée des problèmes ça pour capable faire profit là-dedans. Donc il y a plusieurs exemples qui capable illustrer ça. Et bon, on va tout ta des solides, mais question leadership communautaire, c'est surtout un concept lui-même qui développé dans garder un problème communauté a gagné, mais qui mandé un leadership commun côté que gagne un monde qui a lead li, mais décision mais action a fait dans participation toute communauté a pour résoudre li. Mais ça pas gagne avec ou free solution et puis il a payé pour lui, mais c'est plus son approche participatif et puis communauté ensemble, mais avec un mode leadership qui gagne plusieurs facettes, tu dit, parce que y a plusieurs types de leadership. Tout ça c'est des petites approches qu'on a fait à la fois sur leadership et sur entrepreneuriat qui ont même en quelque sorte yo intrinsèquement lié. Alors il y a une forme entreprise qui crée pour ça même quoi, les plus fait vogue en France, qui c'est l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, c'est à la fois on fait business, on fait comme, mais communauté a qui affecte des business faire li gagner à la fois participation par là-dedans, mais li gagner bénéfice par là-dedans. Ça veut dire pas seulement faire comme là pour en tant qu'entrepreneur, mais on fait comme là tout avec communauté a, mais on partie comme ça, on fait comme ça li pour communauté a. Donc c'est deux bagages nous capable faire, mais l'en pas des enjeux li ouais à la fois défi qui gagne dans concept ça qui c'est à la fois entrepreneuriat leadership, mais le tout à la fois opportunité qui gagne dans ça, parce que enjeu c'est à la fois défi et puis opportunité qui gagne. Donc je pense que ça nous va regarder là pour nous capable avancer sur tout ça. OK, et vous pensez que vous même vous sont un jeune capable dire même un leader et dans zone et gagne pile l'autre jeune tout dans quartier Bola Caillou qui prend pile responsabilité et tout ça, même temps même partager avec grand public là rôle et importance un leader communautaire. En fait, leader communautaire c'est il y a un rôle qui est assez important parce que c'est pratiquement une parmi tout le monde dans la communauté a qui gagne yon d'abord une prise de conscience. Parce que avant leader, il faut qu'on conscient de qui ça qui gagne là comme problème. Et puis lui même tout lui ouais tête lui tout comme un agent de changement qui est capable d'interagir sous lui. On a là l'un pas de leadership communautaire, c'est plutôt un mode leadership qui visait une communauté spécifique. Veut dire là dans la communauté ça, il y a un monde capable considérer comme leader, c'est des monde qui toujours là qui parler à communauté, qui interagir à communauté pour actionner sous problème communautaire, capable des problèmes dans la communauté, capable des problèmes si on pas à l'école dans la communauté. Donc tout ça leadership là pluridimensionnel. Mais qu'on a là une qui fait force leadership là, c'est que c'est pas leader en soi qui tout bagarre là. C'est à la fois l'idée qui gagne tête pensante sur l'idée, mais c'est toute communauté ensemble qui mettait avec pour faire bagarre. Donc c'est ça qui à la fois force leadership communautaire. Ça veut dire gloire l'idée à conserver le même gloire, mais les mettre ensemble avec communauté pour solutionner de gloire capable gagner monde, c'est compliqué pour le bail terrain, gagner monde c'est compliqué pour l'acheter de gloire, gagner monde c'est compliqué, gagner monde c'est compétence gagner pour construire bail là. Ça veut dire c'est ça qui à la fois rôle leadership communautaire, c'est pas pour faire profit sur communauté, c'est pas pour ou penser au plus que communauté, mais c'est surtout ou à penser pour communauté mais ou en dans communauté. Ça veut dire ou agir avec communauté. C'est ça moi-même qui à base expérience moi me comprendre sur concept rôle avec responsabilité un leader gagner en dans communauté qui est globalisé dans sens leadership communautaire ou bien leader communauté. Il est important pour que chaque quartier ta gagne un leader communauté. Mais concept qui gagne dans chaque quartier communauté, bon. En Haïti, nous guettons de ça. Redéfinir le concept qui te prend tout le temps, toute énergie positive qui te capable de marier derrière comme des concepts. Bah, bon exemple concret, la question du militantisme. C'est un concept qui est fort. On dit, on a regardé des questions là où on monte militant, c'est des bagages qui est force l'idéal. Mais là, on regarde des contextes haïtiens de militants, c'est des qui banalisé. Et même surtout pour question leadership communautaire, ben leader communautaire, c'est des bagages qui fort. Mais tendance là, on regarde des cons, il y a la question leader communautaire, c'est tout tendance de monde bail. Pour dire ah, c'est un tel, c'est leader communautaire lié, ça. Ouais, idée qui cachait derrière là, ça veut dire, on regarde ça banaliser force qui marchait derrière deux concepts, nous capable considérer comme des valeurs sociales. Vous comprenez? Mais en termes de leadership
communauté ou bien leader communautaire, l'état fait sens pour chaque communauté gagner un mode de leadership. Ma pas dire gagner un leader non, ouais. Mais gagner un mode de leadership que yo écrit parce que même dans la famille a un leader. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Parce que mais papa yo considéré comme leader famille hein. C'est pas les toute famille. Immédiatement papa pas là ou bien maman pas là. Faut gros l'autre. Faut gros mais ça veut dire l'idéal est partagé. Donc yes. Moi c'est ça qui gagne que tu as fait sens pour chaque communauté gagner plutôt un mode de leadership qui parce que mode de leadership là veut dire si Intel pas là, mais ce qui base, ce qui principe, ce qui valeur, il y a un monde capable de prendre ça comme leader pour capable avancer avec nous. Parce que l'important pour nous comprendre ça, nous avons besoin de monde qui pourra orienter nous. Nous avons besoin de monde tout cas motivé. Vous avez dit, on leader pas qu'à tout bagaille. Non, du tout pas. Vous avez dit là, par exemple, qui est très clair, on monde capable de leader dans un domaine d'éducation. Mais il n'est pas spécialiste dans le domaine d'éducation. Il y a un spécialiste dans la communauté qui est dans le domaine d'éducation. Elle dit que le leadership, il s'était pensé là, il est pour le connecter avec le spécialiste là. Parce que le domaine là, l'idée, il n'est pas connu tout vraiment. Mais il est entouré avec des gens qui ont des compétences là-dedans. Yeah. Donc c'est une force leadership là. Il y a une bagaille dans ça qui est dit, pas de parler en Benoué, dans une communauté capable de plusieurs leaders. Ouais. Leader communautaire capable de ça si on son leader les mêmes là pour route là ouais ouais t'as compris route qui crase là monsieur c'est ingénieur qui est lié ok et plutôt que les mêmes les capables prendre plusieurs autres jeunes tout ça comment nous pouvons faire ça les mêmes les guettant ouais mais qui façon nous chita nous dit mais comment nous pouvons faire les capables même qu'on projet les voulait le bail ministère travaux publics là mais faut ça allez vas-y malbon c'est plus fort dans bagage ça pas dire qui ça. Nous, par exemple, il y a un monde qui à l'école qui fait question développement local. Yeah. Ça veut dire qu'il y a des concepts qui connaissent dans la question développement local. Yeah. Il est juste content de l'école, il n'y a pas de moyens. Yeah. Et puis, il y a un problème dans la communauté. Il réfléchit au problème. Yeah, yeah. Et puis, il propose la communauté à l'Alfoy. Il dit, mais tel problème, nous avons, ça nous pense, c'est qu'il est capable de réfléchir sur lui. Yeah. On est là. Il y a divers autres facteurs qui n'ont pas gagné. Ouais. Moyen pour faire ça, ressources pour le réagir, tout ça. On a le poil à la fois connecté avec mode de monde ça yo, qui ont même à partir qu'on a des modes leadership par yo. Même dans le business, il y a un leader business. Oui, c'est secteur sûr. Business, qu'on a un leadership. Yo. Ça veut dire que le secteur nettoyage, il y a des gens qui leader. Ça veut dire que c'est des gens qui l'a parfois, c'est des gens qui ont expérience, c'est des gens qui c'est des business qui l'a longtemps, c'est des business qui bagaille. Tout ça, c'est des concepts que nous avons factorisé sous question de leadership. Ça veut dire en dans communauté qu'on a plusieurs types de leadership qui développé. Vous savez, il y a un leadership culturel, il y a un leadership entrepreneurial, il y a un leadership spirituel. Il y a plusieurs types de leadership qui est créé. Il y a une dimension. Parce que les jeunes pensent que les gens qui leader communauté, c'est comme si le leader tout bagaille. Il y a une bagaille. Mais la force qui vient de leadership, c'est leur capacité pour dire que là, on a réuni tout ça avec chaque leader qui représente pour poser une action qui toucher tout le monde. Mais c'est vrai, dans le leadership là, ou pas qu'à négliger une catégorie. Ouais. Du coup, on pas qu'à proposer une solution pour la communauté pour négliger vos deux ans. Non, non, du tout pas. Parce que songez, on dit leader communauté, on dit où. Il y a une importance. Yeah, donc, c'est ça, je pense, qui gagne avec le leadership là, dans la question communautaire. Donc, son concept qui est pluridimensionnel, il dit que chaque spécialiste capable d'intervenir là-dedans. Et là-dedans, bon, je pense que nous pas qu'à. Nous pas casser tout mais moi c'est concept là c'est que sur leadership communautaire il y a aspect ça là comme enjeu qui à la fois englobe question défi mais opportunité qui là donc c'est ça moi c'est capable d'avancer. C'est vraiment intéressant et amis émission Antigoutier pour nous parler business qu'on est que on apprécie voir jodi a Snyder Lynn Sifor qui c'est un jeune entrepreneur, il c'est PDG Seco Clean et il c'est fondateur Impact. C'est jeune ça que nous gain là avec nous qui a fait un petit bad bouche avec nous. Nous se font bon petit bad bouche là surtout sur leader et communauté et nous gain en pile en Haïti. C'est bien dommage, c'est pas ça que il a fait ça que nous sommes discuter là capable bien jeune capitaine a dit non mais moun qui dit aussi leader communauté dans zone là et pas ça moi a fait c'est nèg moi gain gros âme là mais yo c'est nèg qui a fait la loi tout ça non yon leader communauté c'est pas ça du tout et nous ouais ça nous se dit là et ouais ça que
et l'insim force au dinou là vraiment différent avec ça qu'a fait actuellement là. Et faut que nous casser tête tourner pour que nous venir dans ça qui normal là, parce que longtemps t'es gagné leader et communautaire façon que t'es qu'on fait arriver dans zone là où est toute jeune maintenant ensemble y a nettoyer et tout ça, soit que qu'on projet et puis tout que y ouvre le bail ministère ou bien mairie y a débloqué comme là y a venu là où est y a fait travail là et t'y respire t'y a y a partagé l'entrée y a même parce que y a même tout y a gagné pour que yo capable de mettre là-dessus au manger. Et c'est là que pour nous aller, nous-mêmes qui sommes jeunes, et dans le quartier Bolakay, nous faut que nous gardions pour nous voir qui ça qui a besoin. Et nous venons au moment là, et nous prenons une pause, et là nous retournons après pause, nous prenons parler d'entrepreneuriat, parce que vous êtes entrepreneur, vous avez entreprise, et tout ça. Mais nous devons parler des communautés avant, des leaders communautaires avant que nous entrions dans sujet ou bien dans le thème dans côté que nous pouvons parler d'entrepreneuriat parce qu'il y a un pile zami, c'est ça qui y a besoin. On prend une pause, on va retourner tout à l'heure. Oui, et amis, on va recevoir un jeune entrepreneur ça, c'est PDG c'est Coclin et li c'est fondateur Impacté qui c'est une organisation qui va faire parler nous un peu de lui. Et m'ta remé et comme c'est fondateur m'ta remé partager avec zanmi au côté idée ça sorti et puis tout rôle et importance li et puis tout qui ça nous fait déjà. Monsieur, histoire Impacté son histoire qui très inspirant, okay. Et son histoire qui difficile tout. Yeah. Parce que Impacté prend naissance li après yon déclenché guerre te gagner ce soleil. OK. Et puis ça veut dire prend naissance dans commune cité soleil. Ouais. Et puis me quitter cité a. Yeah. Pendant me quitter cité a et puis m'a réfléchi. Ça me dal rete au Naville, je crois. M'a dal rete au Naville. Même t'es ouais à l'époque tendance question d'exter tu as peut ta preuve. Non, ouais. Et puis me gétan ouais, ça là son tendance qu'a développé pour désorienter les jeunes yo. Yeah. Et puis vraiment vous tout jeune c'était d'exter tu as peut bagaille. Et puis m'a regardé moi pas gain rien comme alternative vraie qui capable permettre jeune capable réfléchir sur des bagages concrets, commencer questionner la vie, questionner développement communauté. Et puis moi même qui était déjà gain plus passé 3 4 ans d'expérience dans question organisation volontariat dans Sakala dans ce soleil. Et puis me dit pourquoi pas pour réfléchir avec jeune dans communauté ça encore pour nous garder pendant un moment vacances c'est mon question tu as d'exter et habillé avec ça, c'est un peu une alternative. Yeah. Et puis nous réfléchir, nous créer quand à l'époque, ouais. Bah, si nous une possibilité pour nous venir jouer, réfléchir avec ça. Et puis voilà, nous réfléchissons sur le concept Impacté qui fait chimer, qui fait chimer parce que dans moins que 3 ans, on a fait beaucoup de choses. Okay. Nous avons touché plus de 2500 monde. Wow. Dans moins que 3 ans, ça veut dire que nous avons gagné des chiffres. Yeah. Nous avons fait activité avec mon hôpital général. Okay. Dans le moment où nous avons gagné dans le sud, yeah. Nous avons allé avec partenaires, nous avons pas, nous avons touché plus de 800 monde. Nous pas chita seulement dans la communauté, nous tout côté. Oui. Yeah. Nous touché plus de 800 monde. Et malgré ça, nous avons tellement de choses nous avons aller. Yeah. Nous pas de cartou, nous pas de café tant comme sur le début on fait 3 jours mais matin nous gagne menu ba nous te porter ba mon nous te souffert n'importe et 5 jours nous devons quitter ce bagaille n'aller dans histoire ça tellement intéressant nous te gagne conteneur pour nous aller bagaille nous gagne à conteneur nous quitter un paquet dans capitale là ça veut dire quand tu ta va prendre et puis nous quitter dans capitale là pour nous ba l'autre association n'aller avec dans conteneur et puis là nous arrivé bagay pour distribuer à nous tellement de bagay nous obligé quitter reste là dans mais on leader dans communauté là. Oh that's good pour nous pas bailler porte monde ni nous fait choix avec on leader nous te fait bagay surtout avec organisation communauté de base l'école l'église pour faire parce que ça fait li ça fait nous été bagay tout pour nous quitter parce que si nous fait bagay d'abord quitter là là oui gagot mais nous fait li nous dit l'école venir nous bailler l'école en quantité nous bailler l'église en quantité nous bailler membre religieux tant que vaudou tout ça et puis nous quitter reste là dans mais bailler communauté c'est une expérience qui était très intéressant. Jusqu'à date, nous arrivons là, nous avons accompagné jusqu'à 100 jeunes dans ces soleils. Nous avons une formation qui permet de faire des questions avec expérience de travail. Parce que ça, c'est un bagage pour nous parler sur lui. Parce que les jeunes qui ont des travail sont un problème. Ils ne peuvent pas travailler comme une responsabilité. Pour eux. Tout le travail, c'est difficile à ne pas connaître le travail. Tout le bagage est facile. Facile. Pourtant, pas de rien que facile qui est bon. Yeah, ouais.
C'est ça pour nous réfléchir. Yo fait nous penser la vie à ce bail qui doit facile. Pourtant, même mon cap la vie facile là, lui même tout le passé là est difficile là. Donc on est là, c'est ça nous avons comme concept pour nous impacter, mais nous avons avec tout le monde et puis jeune tout. Donc c'est ça qui public cible nous. Nous arrivons gagner des partenaires, nous développer côté nous payer l'école pour plus passer 50 tout le monde. Et année 2020 dès que se passe à année ça n'a pas fait tout pour nous payer l'école pour tout le monde, nous toujours gagner des petits monde kit scolaire pour y aller. Donc c'est des bagages qui très intéressant mais qui gagne des fuites tout parce que nous en tant que jeunes nous gagne des monde qui pas quoi nous gagne des monde qui dit ah ça va faire pas besoin régler ça mais volonté nous gagner mode de leadership nous développer jeune nous prend ça nous fait bagages propre dans transparence. Il fait gagner des monde qui croient en nous. Vous comprenez? Bizarrement, ma question au Kaila, son histoire qui est très intéressante parce que la communauté a fait une fête et puis n'a pas réfléchi. Nous, SOS qui a fait, problème qui a bagaille, monde qui a victime. Et puis, nous lancer une campagne pour collecter dons et moyens pour nous local dans moins que 3 jours nous allons local. Ça veut dire, nous allons local dans samedi, dans mercredi, nous lancer une campagne là. Et puis dans mercredi, jeudi, vendredi, nous collectons des bagages qui dépassaient ça qui va aller. Et c'est pour montrer que nous on fait ça qui est bon. On met pas ouais, mon n'a pas apprécié, mon n'a pas mais mon n'a pas suivi. Donc c'est ça qui gagne. Pas tant de likes sur Facebook, likes sur les réseaux sociaux pour faire au fond bagages qui bon. Et il y a tendance ça qui font ça qui bon printemps, ça qui bon pas populiste. Moi ça me donne un bagage cap wololo, vous mettez questionner ça. C'est ça qui fait sens impacter. Donc on a nous des partenaires locaux qui croient dans nous, qui décident d'accompagner une action. Nous. Donc on profite de remercier dans l'émission ça. Donc c'est ça qui fait force nous dans impacter. Nous c'est des structures jeunes. À 90% c'est des jeunes qui ont orienté décision ça. Nous avons des monde tout qui grand monde mais nous considérons comme des exemples. Comme des mentors, comme des mouns qui aident nous penser, aider nous agir parce que nous connecter avec intergénération, parce que nous connaissons. Nous par contre tout le bagage, il y a des mouns qui l'ont avant nous, qui connaissent, qui ont partagé l'expérience avec nous. Voilà, c'est ça qui l'histoire est impactée même. Et que nous fiers, parce que nous, moins que 3 ans ça là, on a fait beaucoup de choses. Mais notre structure à tout, nous make sure que des bases, nous ne pouvons pas échapper. Question légaliser structure, question formaliser, créer de bagaille nous capable gagner comme de principe de valeur interne dans structure ça et puis créer c'était nous question communication nous nous standard ça c'est toute bagaille qui fait que le monde qui croit en nous parce que l'on fait ça qui bon le sentiment le monde qui envie qu'on l'a vous comprenez donc c'est ça qui fait c'est ça moi même gagner comme des photos moi même tout dis des fois c'est nous qui a pas kawel moi ça dans tout ça m'a initié on parle ouais pour ces coquelins on fait presque même bagaille là. Donc c'est que l'idée à définir bien garder qui ça qui est comme problème et définir une solution concrète et puis marcher qui me légaliser me protéger non puis bail nous en forme ni force ni ça qui toujours demandé pour grandir donc c'est ça qui gagne pour moi même une force que moi gagne c'est que pas juste pour une idée avant qu'on ait pour pas faire route en termes de structuration voilà c'est ça qui m'était impacté là non parce que non on a accompagné 100 jeunes dans ce soleil et puis nous allons lancer au coco là pour 3 business dans ce soleil j'arrête avec moyen pour capable avancer. Donc c'est des histoires qui sont assez intéressantes, mais nous avons des moments difficiles pour nous confronter. Des moments difficiles. Et moments ça va pas décourager nous. Moi c'est un moment difficile que je peux partager avec les jeunes, c'est parce que depuis notre commencement, nous n'avons pas quoi. Pas penser que nous avons commencé, tout le monde ne pas l'accepter. C'est ça que nous avons commencé à comprendre des gens qui sont dans notre ajout, qui sont capables de gagner de valeur ajoutée. Gede moun se konsel ap kabaw pou biznis, gede moun tout se konsel ap ba ou pou l'eglise, gede moun se konsel ap ba ou tout pou lansak pa sa sa, il faut kabaw kontekstualize chak moun sa ou nan ki poto ka bezwen ou. Donc c'est des ba m pense jeune kabaw commencer à réfléchir sur lui. Vraiment et intéressant, même si gen yon jeune ou bien yon moun ki ta vle soit accompagner nous soit ban nou support li et tout ça qui façon kabaw entrer en contact avec un parité. Mon cher, nous vraiment gagnons standard nous kembe. Nous pas entrer dans la logique prendre toute qualité d'eau. Parce que ça là li ka affecter nous. Parce que débat qui est les visions avec objectif que nous atteignons, ça veut dire nous gagnons pour nous ça veut dire c'est toutefois dont on pas entrer dans la vision nous. Parce que on dit ton dicton qui dit ça que bail le commander. Vous comprenez? Donc nous pas un problème pour nous recevoir don dans n'importe monde mais nous vraiment ouvrir dans une dimension transparence. Et puis
Mais façon mon ka connecter avec nous c'est sur les social nous yeah. Facebook, Twitter, bon, pas de Twitter encore, X, yeah. Facebook, X, Instagram, LinkedIn, yeah. YouTube, nous sur toutes plateformes ça yo. Mon ka visiter cette internet auto qui c'est impacté.org. Okay. C'est impact-e.org. Ou après tout ça nous partager mission vision nous contact nous capable partager ça capable écrire nous par email oui n'a toute information net toi pour très présent sur réseau oui oui OK OK c'est vraiment intéressant et nous aimons les jeunes entrepreneurs yo pas seulement à faire comme faire entreprise yo faire comme mais yo mettez d'autres outils organisation qui pour aider jeunes aider et communauté yo. Et nous arrivons au moment là que nous allons parler business même et tout ça. Ou c'est PDG Seco Clean. Nous allons partager avec Zambi. Côté idée ça a sorti. Non, pour qui ça c'est non ça. Et puis, faut-il parler nous plus de Seco Clean? Monsieur, Seco Clean, son histoire m'a béré, moi-même. Je pense que je suis qui l'a fait outre. Yeah. Et nous t'avons Toti. Toti, une force, mais une histoire cachée de Toti, c'est la patience ouais. Et la longévité. Ouais. Je dis, je vais être sa patience. Et puis, ça, parce que ça m'a construit un moment où je vais aller. Yeah. Donc, c'est ça qui est force. Après, tout approche de l'hôpital, c'est question de leadership communautaire. C'est parce ouais. Que c'est des histoires qui charrient l'action mieux. C'est quoi que créé depuis en 2021. Okay. Et, mais c'est surtout sous base relation avec des amis. De participer dans un concours pour te permettre de légaliser nos yeah. Et puis me dégainer et puis nous être structuré et puis voilà étant d'abord professionnel puis avant et puis qu'on y a là structuré nous on voulait dire mon cher ou qu'a agi là parce que nous avons une protection légale wow. Ou qu'a agi sous lui parce que il y a des monde qui ça c'est un conseil à tout bas entrepreneur de pour nous des business définir ça qui gagne comme produit et service là yeah. Wow. Définir qui parce que il y en a qui gagne force dans business tout. Par exemple qui ont exemple sous McDonald's mm-hmm. McDonald's pas meilleur entreprise qu'on fait un burger non et aux États-Unis du tout pas c'est non mais il n'y a pas McDonald's créé comme force un système ouais. C'est ça qui différencie un peu l'entreprise c'est pas créer business pour faire profit ou bien créer business pour proposer une solution offrir un service mais c'est créer un système business qui englobe un paquet de bagages. Ouais. Donc c'est ça m'a causé jeunes plus aller dans la logique créer un système plutôt. Donc c'est ça nous avons essayé de développer dans ce côté. Côté que nous offrons service nettoyage, nous offrons service formation sur protection environnement okay. Et puis nous avons des produits que nous développons tout pour du nettoyage, pour du détergent tout ça. Donc une histoire cachée dans ce côté c'est que c'est des bagages que nous vécu. Là on regarde en pile business, c'est tout pour des micro ou des PME. Il n'y a pas gagné de professionnels pour nettoyer le business. Yeah. Et puis, il n'y a pas gagné de monde qui est capable. C'est surtout de monde qui a écrit les autres dehors, qui n'est pas même connu, mais qui n'est pas connu standard qui gagne dans le bagage, qui est venu pour faire ça. Donc voilà, étant nous proposer une alternative comme ça. Ça veut dire, on est capable de relayer, il y a une entreprise qui a pas de personnel, professionnel dans le domaine de nettoyage capable de connaître, qui produit de utiliser. Yeah. En fonction de tel besoin. Parce yeah. Que dans le produit détergent, il y a des produits qui sont toxiques. Il ouais. Y a des produits qui peuvent avoir nettoyer comme espace, mais qui n'est pas bon pour. Donc c'est ça nous capable de développer. C'est ça nous développer dans la question de Seco Clean. Nous englober à la fois service, mais produits qui ont un aspect environnemental. Yeah. Parce que là, on regarde des concepts Seco Clean, c'est service écologique. Cleaning, ça veut dire, oh, c'est des services nous bail qui basés sur question écologie, parce que normalement la question changement climatique oui, vraiment et a fait ravage. Oui. Donc nous vraiment miser sur ça, c'est développer des prototypes, développer des produits et puis offrir des services qui gagnent un sentiment d'appartenance avec question protéger et puis gérer l'environnement. Ça qui chahit des Seco Clean. Donc nous structurer, nous légal, nous dans Delma 19 actuellement okay. Là. Donc nous légaliser, nous avons toute structure bagarre l'état mandé. Nous avons cette tête nous sur même plateforme YouTube, yeah. Facebook, Twitter, X, yeah. Instagram, LinkedIn tout, nous sur YouTube tout. Côté nous partager de conseils pratiques qui j'aime capable protéger caillou, j'ai bagaille, ça veut dire nous vraiment sur le terrain, ça qui m'a dépassé parce que secteur nous il y a leadership lui. Wow. Nous obligé garder qui va entrer parce que nous c'est des PME, ça veut dire petite yeah. Entreprise. Yeah.
Je finance pas facile, mais il y en a pas de gain hier pendant que nous avons une conférence avec M. Dubois, qui est gouverneur de Banque Centrale. Il a parlé des questions et crédit qui gagnent pour des petites entreprises avec des étudiants. Je suis dans l'université, moi, qu'est-ce qu'il y a. Et puis, venez me compte que avant ou allemand, dans le monde, il faut qu'on baille tout force. Non, c'est sûr. Et baille tout force, il faut qu'on pas dans tout. Oui. Parce que le monde ne peut pas dans tout, le tiro. Il faut que l'on ait tendance à sortir. Et la difficulté pour avoir pour n'importe investisseur, là, pour investisseur, mon cher, je suis dans l'entreprise, je vis un investissement pour la bagaille, pour pas d'accord. Ouais. Parce que business légal, business avancé, puis prototype développé, il y a des solutions concrètes qui apportent avec déjà sur le marché. Sur le marché, et puis qui a des profits intéressants. Donc après ces débats très participatifs nous fait qui assez intéressant. Bon, c'est histoire ça cache des secrets, c'est une histoire qui a béré, qui a grandi. Et bon, c'est avec le temps on va faire ça que nous avons pour nous faire, qui c'est positionner nous sur le marché local et international en tant que des leaders dans le domaine ça. Je trouve qui est vraiment intéressant et les que m'a regardé aller sur page Facebook et l'autre côté, mais aller sur site Seco Clean. Je trouve son bagage professionnel et puis que je trouve tout font bel et travail dans site là en tant que jeune et tout ça. Je pense que c'est une entreprise, parce que l'État ou bien le monde a dû encourager, aider ou bien entreprise qui besoin et des gens des produits ça a encouragé, parce que un jeune garçon qui prend initiative pour qu'il mette une entreprise comme ça, c'est une façon que vous capable d'encourager lui au lieu que vous prend produit qui sorti à l'étranger et pour développer là. Yeah, pour du yo, m'a regardé c'est by qualité qui oui, les m'a regardé sous site là et parce nous gain sous parle plus loin, nous gain un département n'a développé dans entreprise ça qui sont département qui a avec recherche et innovation. Département n'a pas développé dans entreprise ça, c'est faire de recherche innovant qui capable proposer de produits et de solutions environnementales qui plus bon et qui plus adapté avec réalité nous haïtienne. C'est ça. Soit après une question contextuelle dans bagaille. Jean moun Canada yo vive, c'est pas comme ça nous vivons Haïti. Ça veut dire deux produits qui sont spécifiques qui développent pour Canada, et parler qui pour nous. Pour nous. Il faut regarder l'aspect environnemental là tout. Et c'est qu'aucun bon. Bon l'amour qui dégage en tout ça me fait, tout ça m'initie, tout ça m'entreprendre. C'est qu'aucun son forme de responsabilité, moi je dis m'baille tête moi pour combattre le changement climatique avec mauvaise pratique de son environnement. Ça veut dire, même décider de faire ça sous une forme de business, parce que là, déjà engagé dans la question sociale, mais là comment il y a, c'est là. Alors c'est que nous pouvons faire quoi comme investissement? Non, les mon a regardé déjà et produits et tout ça qui vous fait. Ah, mais il y a pas que capable dire bon capable prendre comme un conseil, faut qu'on mette une section de marketing sous pied, parce que mon yo pas vraiment c'est ça me devrait dire. Faut qu'on parce que on pas gagner, bon, on pas connaître si capable produire en grande quantité, ça c'est une, mais bon, quand tu es capable de faire commencer à faire marketing dans l'institution, c'est même pour que vous voulez faire, vous voulez qu'ils connaissent. Yeah. Vous voulez paraître sur mon nom avec un minimum de maturité. Yeah, ok. Madame Doulan, parce que déjà, il y a une faiblesse. Parce que l'entrepreneur, il faut garder force avec faiblesse. C'est sûr. Il y a une faiblesse, mais ouais, je suis en c'est parce que une faiblesse de jeunesse. Ouais. Parce que les gens qui ne sont pas jeunes, ils ne sont pas jeunes. Ils disent que les gens qui ne sont pas jeunes, ils ne sont pas jeunes, ils ne sont pas fins de jeunes. Parce que tout, parce que les jeunes, c'est bagaille. À la volée que je fais, c'est débat émotionnel. Et c'est ça, vrai. Et vous êtes jeune, c'est ça, à faire. Débat émotionnel. Ouais. Pour me faire, je devoir pour changer de dose là. Ouais. Mais avant de changer de dose là, je vais des bagages pour me battre même comme bagage. Il dit, il faut me structurer le business là pour me paraître devant un investisseur ou bien un client pour gagner moins raison pour ne pas t'apprendre comme client. Vous êtes toujours dit. On peut être comme une entreprise qui d'abord qui est légale, ça veut dire une entreprise qui est un paquet d'efforts, qui a un marketing qui est enragé, qui a des prototypes qui développent comme des produits, et puis qui a une équipe qui est professionnelle, ça veut dire, on a du mal pour ne pas prendre comme client.
Vous comprenez? C'est ça que fait nous déjà fait étude marché là, nous déjà fait. C'est là qui fait aller avec ou tant que vous capable voyez, monde c'est pas seulement sur réseaux sociaux mais il y a monde capable, il y a monde qui capable aller dans institution présenter produit. Bien c'est potentiel lui. Mais ça fait m'a encourager si vous monde capable aider nous. Bon, pas parler aider parce que business pas aider. Si vous monde capable investir dans business, on est content. Ouais. Parce que business est potentiel économique lui. Vous savez je dis là, nous qui te connaît là. Nous va faire comme non, parce que le problème là et solution dans nous. OK, est-ce que vous partagez avec nous qui genre des produits qui nous gain? Normalement là nous développer deux produits. C'est le produit qui sur marché a déjà. OK. Et mais n'a développé un produit là qui peut être différent qui c'est le produit capable fait à base de produits naturels qui pour nettoyer et gérer l'environnement. Nous devons parler sur ça en pile l'environnement. Nous c'est un militant environnement. Après dans toute bagarre à faire, il y a des pratiques que nous mettons comme de principe interne pour tout le monde qui a pas affecté avec nous. Parce que nous, une organisation qui s'est impactée, nous pas utiliser ce qu'il faut. Nous comprenons. Dit n'importe qui n'a fait pas utiliser ce n'importe qui n'a pas travaillé avec nous, n'importe qui n'a avec nous, avait dit, vous avez utilisé ce qu'il faut, vous ne pouvez pas n'activer, ne pas côté nous. Ça dit vraiment rigide dans ce sens. Ça veut dire, c'est ça qui fait force et reconnaissance. Ils sont responsabilités me prend. Sous environnement, pendant ma proposer une solution qui est à la fois entrepreneuriale. Vous comprenez? Donc, je vais parler des questions et questions département marketing, ce qui est intéressant. Vous comprenez? Je vais parler des questions produits nous développer. Nous développer produits détergents, tant que liquide et désinfectant. Okay. Nous développer ça. Nous développer tout le département qui a à voir avec les questions service. Okay. Si vous avez l'école, ou besoin de professionnels pour ramasser fatra ou bon passer mon bagage ça yo ou bon sous besoin gérer qui j'ai mode de gestion fatra ou dans et nous faire formation tout si tant que mon ta gagner déjà gagner mon ça disponible ou capable révoquer mon ban nous nous capable renforcer compétences mon là nous même nous fait ça formation. Parce que il n'y a pas qui gagne, fatra yo catégorisé, on n'a pas mélangé. Non, c'est tout pas. Moi, l'arrivée aux États-Unis, on va jouer une seule poubelle, ou jeune même deux à trois poubelles. Qui différencie parce que la ligue est plastique, diverses. C'est là qui force nous tout. Ça veut dire nous toucher marché à dans différents facteurs qui sont toujours liés avec lui. Et doger fatra yo, et de nettoyer l'environnement, aider au prendre formation pour renforcer capacité pour comprendre même si vous n'avez pas besoin nous là pour nous parler mais vous avez capacité pour capable prendre des responsabilités. Donc c'est ça qui force vous non donc moi c'est une quel et la fin c'est bon bagaille et vraiment et apprécier ça et nous censé presque arriver dans la fin et émission hein? Et vraiment apprendre en pile dans tout ça qui vous dit et surtout que vous mettez ou gagnez un business avec une organisation et que tous les deux l'ont regardé c'est vraiment social qui vous est et parce que nous mêmes qui jeunes pour la carrière nous garder qui ça que nous capable faire qui pour utile payant c'est pas seulement courir quitter payant mais il y a pile bagage que nous capable faire pour que nous capable utile payant et l'insinform time on partager et avec jeunes cap garder nous là si vous avez un conseil une motivation pour jeunes c'est qui ça qu'il t'a moi je si me dit m'a bien conseil la prend pile et mais ça m'a dit jeunes c'est tout sous expérience que me fait d'abord je n'ai pas des questions de leadership avec entrepreneuriat mais je dis jeunes leadership pas improvisé pas quand que de conseil dans le leader qui planifier qui construit qui préparer sous sa minute nous mais d'un principe base préparer à ses renforcer compétences baite tout éducation former tout c'est meilleur investissement capable faire sur tête le bagage capable de jeunes c'est que meilleur monde qui ca croire dans vous c'est vous même encore meilleur monde qu'on soit vous ou soit pas vous c'est vous même ça veut dire il va falloir que vous même vous croire ou développer ça comme valeur ajoutée pour connaître comment moi elle dit pas que bon Dieu prend sans les créer terre elle crée c'est là il crée au hasard ouais elle dit bon Dieu prend sans les créer tout ça comme des bagages ou est comme des gros bagages et puis il crée faut questionner tout ça. Et c'est vous même l'écrit en dernier. Vous comprenez? C'est vous qui avez le pouvoir. Ouais, c'est vous qui avez le pouvoir. Vous comprenez? Ça me dit, j'ai tout, c'est attendre demain pour commencer. Maintenant. Vous savez, commencez, prenez-vous avec, prenez-vous maintenant et tout, à chaque jour qui a passé, chaque jour qui a passé, on va améliorer ce qu'on fait. Parce que
Comment ça va, j'aime bon vrai. Ouais, très difficile. C'est juste volonté. On va faire un investissement depuis le début. C'est ça va faire, on fait avec eux et puis la nature a bouvé pour les bao. Wow. Donc c'est mieux qu'on s'en capable aux jeunes et puis rendre tout utile. Yeah. Important. Rendre tout utile. Yeah. Une question que me poser tout entrepreneur, tout jeune qui passe dans l'émission ça. Où sont jeunes entrepreneurs et où a vivre dans pays a ou est situation et pays a. Et où est qui volume jeune qui quitte pays a. Un peu de jeune qui a des compétences, qui a une capacité et tout ça, même gens avec ou. Et cap quitter pays a gien calé Brésil, Chili, un programme Biden là, et se comprendre. Et grand pile jeune entrepreneur même j'avoue qui déplacer business au calme la République Dominicaine et les au rive l'autre bois, ils font pile profit au lieu que tu as fait ici. Ou même où sont jeunes à toute situation pays a gens qui lié là, j'ai découragé nous même qui jeune yo. On fou, on pas connait quand on joine courage, motivation ça yo qui fait que rete ou croire que dans pays a m'ta mon partager avec public là qui ça motive ou qui faut rete Haïti toujours. Alors femme joue pas dit ba rete Haïti a nous jeune invitation ba den déjà on réfléchit nous jeune déjà donc femme m'te que t'a dit à faire ça mais okay. On pas intéressé pour qui ça on pas intéressé non pour qui ça parce que on pas veut partir tant que courir des pays. Mais il y a courir des ouvriers. On va aller comme ça. Ah, et pas peut-être courir des ouvriers aller. On va aller même pas ouais. Courir à courir des. Ouais. Si je ne mal faire mal faire maîtrise ou ouais, ouais. Ça on va aller. Mais pas tant que courir aller pas gain espoir là mal courir. D'ailleurs une force entrepreneur gain c'est côté qui problème là pour parce que oui, c'est la gain opportunité. Yeah. Immédiatement problème côté c'est opportunité gain. Yeah. Donc en fait motivation là c'est parce que on vécu mauvais moment. Yeah. Et j'ai un sentiment d'habitude avec mauvais moment. Et puis mais de quoi tu veux pas aller? Nous sommes pas aller. Yeah. Par contre ça aller mais ça m'a conseillé c'est que pas aller pour aller. Yeah. Aller pour venir renforcer parce que il y a des bails qui gagnent Haïti, des bails qui pas gagnent Haïti l'autre bois jeune. Ouais, ouais. Ouais. Vous comprenez? Yeah. Que des niveaux, que des niveaux compris, que des niveaux compréhension pour doit pas connaître non? Yeah. C'est le comprendre. Donc on va pas dire ne pas aller. Parce que entrepreneur c'est d'abord un monde qui c'est quoi l'opportunité d'aller le aller wow. Elle dit si on fait business là ouais là pas bon pour chercher quoi de faire parce que c'est avec nous vivre et c'est cœur qui a parlé donc tout moi même et pas seulement cœur tout moi même elle dit si pour faire pour ouais pose problème ou bien là ouais le communauté ouais pas ouais etc c'est à chercher contre Cavell mais pas oublier contre sortir et si communauté sorti à exacte cause des problèmes de c'est mon pas dans l'école ou gien moyen fort l'école dans communauté ou ça me dit là parce que Haïti c'est toute petite qui t'a l'étranger qui t'a Haïti qui bagaille quand la sam qu'a dit seulement c'est motivation c'est que même malgré pas monde qui pire mais Haïti que tout monde même qu'à côté même pas monde qui aime Haïti et qui motivation c'est j'aime te dire rentre tout utile et tout monde pas calagé si quand pas qu'a fait là c'est pour craser ça. On faut complot pour nous échanger Haïti, on faut complot pour nous bailler l'autre oui. Bagaille. Yeah. Donc c'est ça qui motive à ce moment-là que moi-même, moi intérêt pour nous continuer la bataille parce que tout le monde va aller, tout le monde va aller. Yeah. Je me suis allé, je me suis bien passé, je me suis bien passé tout. Ouais. Mais, pas courir. Et souris, l'autre bois, recommence à zéro. Honnêtement. Je ne recommence à zéro. D'ailleurs, je développe pour clique la carrière tout côté même ka vivre ya parce que moi curieux et moi me connais moi me connais qui j'aime ka vivre ya qui j'aime ka utile et tout pays besoin moun sa yo ouais tout monde besoin moun sa yo moun pas besoin moun ka bay problème ya parce que problème yo existe déjà moun besoin moun ka penser solution ka proposer solution même c'est moun nan moun qui quoi dans ça penser solution lika à la fois entrepreneuriat, lika à la fois social, lika à la fois éducation, c'est penser solution. Parce que je me connais bien déjà. Ça fait tout le monde qui collabore avec, tout le monde qui travaille avec, tout le monde qui partenaire bagage ça. Bah même la présenter un problème. Non. Parce que problème même quand déjà à t'es bloqué, c'est quoi le problème? Non, c'est qui solution prend. Ouais. À t'es sécurité. Oui, me connais sécurité déjà, qui solution prend. Parce que faut qu'on vive et faut que communauté vive. Ouais. Donc c'est ça qui principal et motivation même et puis il y a des gens qui connaissent. Il y a des gens qui ne connaissent pas. C'est ça qui connaissent ça. Ça a fait. Tu as tout le monde qui a fait. Vous savez, il y a des gens même si pas qui captent nous. Je veux dire, il y a des gens qui prennent le temps de travailler dans le monde.
Et sous bail vague là, vous connaissez combien de monde bail vague? Bon bail là, c'est motivation ça et puis moi chaque monde qui a des soucis qui motive yo, parfois c'est son raison de vie, c'est une petite expérience que tu fais, parfois c'est par exemple nous toujours un petit bagaille, tout cherche un petit bagaille qui permet tout capable mes pays. Bon bagaille les amis, émission anti goûté pour nous parler business, nous te gagner Schneider, Lynn Sifford, qui c'est entrepreneur, qui c'est PDG Seco Clean, et lui c'est fondateur Impacté, qui c'est une organisation qu'il mettait côté que lui accompagne un pile jeune et gagne un pile l'autre jeune avec lui et tout ça, il a vraiment fait un pile bagaille dans social et c'est une bagaille qui me toujours encourager nous-mêmes qui jeunes yo, surtout nous-mêmes qui jeunes entrepreneurs, pas seulement mettre un business et camper, mais faut que nous capables de faire social tour dans zone côté que nous étions parce qu'il y a plus l'autre jeune qui connaît chita soit qui a vu boulot ou bien pas connaît quelconque, mais faut que nous encourager pour qu'il soit capable d'entreprendre un bagage. Thème que nous te gagne aujourd'hui que nous t'a fait tibat bouche là, c'est comprendre l'enjeu entre l'entrepreneuriat et le leadership communautaire. C'est sous thème ça que nous avons fait et tibat bouche là, son plaisir pour que nous soyons capables de un jeune qui gagne toute fougue et ça qui pas seulement quoi nan fait comme mais quoi nan communauté pour qu'il capable accompagner pour que jeune yo capable quoi nan pays yo et puis tout pour le jeune yo capable bon bagaille pour qu'il capable faire comme Lynn Sifford. Merci beaucoup, tu es vraiment content gagne on a émission qui n'était capable de faire petit bad bouche, j'ai vraiment apprécié les assistants qui m'ont envoyé fiche technique émission et puis tout moi c'est un jeune entrepreneur qui m'a bien qui gagne business et il gagne organisation. C'est la première fois que me rencontre avec lui et il vraiment motivé et l'info m'a dit continuer kembe pas décourager et me pense que petit problème pays pas quitter décourager et pense que ou gagne pour faire pile succès et ou déjà commencé faire succès dans business et ou continuer faire succès kembe fait border. T'es vraiment content gagne on a émission. Merci pour l'invitation. Donc merci, donc me pense j'ai l'initiative ça mérite encourager pour ce pas gagne campagne pour encourager ça bon ouais le très minime donc yeah. Félicitations pour l'émission et puis je souhaite bon courage. Merci. Les voyez de monde qui est capable de supporter l'initiative parce que ça, il mérite continuer, il mérite bâcher une opportunité pour garder. Pour le monde qui ne connaît pas, connaît ça fait. Et puis voilà, merci pour l'invitation et puis je sorti. Je te fais un petit goûter pour nous parler de business. Yes. Bon bagaille et bon, vraiment content de gagner. Zambi émission un petit goûter pour nous parler de business. Nous sommes censés arriver dans la fin de l'émission. Il y a une bagaille qui m'a toujours dit tout le monde qui a suivi l'émission ça et tout jeune et tout ça. Ou même qui est à bord la caille ou qui n'a pas fait rien, gardez pour eux qui ça ou eux qui gagne besoin. Et l'insigne force, dis-nous ça là. Gardez dans le quartier bord la caille. Qui a besoin et chercher l'autre jeune qui a l'autre compétence et tout ça, mettez nous ensemble et puis tout que pour que nous capables de porter une solution avec problème ça qui est dans la zone Bolakayo. Parce que pays assez pour nous qui est pété courir, c'est pas ça qui est la solution parce que c'est pays pas où l'arrivée dans l'autre pays, c'est on pas considéré où on pas bien tout privilège l'autre pays, l'autre peuple, parce que ou pas dans le pays, parce que moi, l'homme arrive dans le pays, je suis pas à l'aise, pas senti bien, et immédiatement, je arrive à Haïti, je me sens bien, je me sens à l'aise, et tout ça. Moi, courage, nous-mêmes, jeunes, entreprendre, j'en bagaille. Et toujours dit nous, tout le monde qui gagne quoi, tout le monde qui fait succès, c'est le monde qui entreprend, j'en bagaille. C'est eux-mêmes, qui l'est, qui joue, qui fait business. Là tu es vraiment content et nous connaît que l'émission ça il passe chaque dimanche après-midi sur channel YouTube nous avec tout notre coup sur réseaux sociaux pour une émission ça. Merci beaucoup, à la prochaine pour une autre émission, un petit goûter pour nous parler business. Voilà. Félicitations, bon bagaille, qu'un BFM. Merci un peu. Moi, j'aime vraiment content et qu'on a. Parce que je me sens que
gon jeune qui positif qui croit dans pays a qu'apprêter parce que il y a un pile jeune pose question qui dit mon cher cette histoire mon cher jeune beaucoup jeune qui veut me balaguer bien même tu vraiment content c'est une bail qui fait me demander est-ce que ça cœur que on parler parce que situation pays a fait un pile jeune courir mais ou même ou quoi me penser que qui vraiment intéressant voilà. Yes. Oui, et Zamio n'a apprécié voir et Sni de nous ça qui ont fait baoul même mal pour prononcer pas pour qui fait travail ça. Parce que il va prononcer pas faire génie, génie civil et puis pendant l'école on est. OK. T'as quoi pour pionner, t'as quoi pour prétention, t'as quoi bah. Mais t'as quoi l'insi fois, c'est mon niveau au cap. Dans famille. La commune ou cité non ça. Il y a après qui est. Oui. Et là, sous la même. Et là, sous la même. Non, c'est quoi même. Mais on dit des goûts qui ont les gars, et puis gars, ça va faire là. On va faire violer. L'insi fois, après, depuis qu'on arrive au cité noir, et on va venir nous garder, et on va dire, grand don. Yes, bon bagaille, et amis.